tous, c'est WarVer57 pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une découverte du jeu Sébastien Loeb Rallye Evo. Un nouveau jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai acheté samedi là. Et que j'ai pas mal joué dessus. Bah, j'ai joué presque tout le week-end. Et je peux vous dire que ce jeu est vraiment pas mal. Alors là, je vais vous montrer les voitures que j'ai. Alors là, nous avons une Saxo Kit Car, une 106 Rallye, une 208 T16 Pike. Là, vous avez une DS3 Rally Car, là, une Stratos, une Xara Rally, une Polo R Car et une Impreza Rally Car 3. Voilà. Alors là, nous allons commencer tout de suite une petite spéciale sur un terrain qui dure pas très longtemps, donc Rally. Spéciale unique. Nous allons choisir la voiture. Alors, on va commencer par une voiture pas trop rapide. Pour le début et par vers la fin finir pour sur des voitures beaucoup rapides, bah pas mal rapides, je sais pas si ça se dit aussi. Et voilà, alors on va prendre celle-là, ensuite nous allons prendre celle-là et par la suite on continuera. Alors là, nous allons prendre la 106 car quand Alex M voudra bien se décaler. Voilà, 106 rallye, donc nous cliquons dessus. On va choisir un terrain qu'on pourrait faire. Alors là, on a Monte Carlo, là on a Suède, là on a Mexique, Italie, Finlande, Australie, Alsace et Wales. C'est en Grande-Bretagne, vous avez en haut. Moi, je propose on va commencer sur l'Italie, parce que c'est des terrains, je sais, pas trop difficiles. Et on va tout de suite commencer. Alors là, record personnel, on va y aller. Et on va commencer tout de suite. Alors, le jeu, c'est un jeu de rallye. Je sais pas si je vous ai dit, c'est un jeu de rallye. En haut, là, de l'écran, vous avez bah, le drapeau. Du circuit en fait, bah, du rallye. Là en dessous vous avez le nom. Ensuite nous avons la longueur, il fait 5 5819 mètres. Et en dessous c'est la surface, qui nous disent quand c'est mouillé, quand c'est sec, quand il y a de la boue et tout. Et c'est plutôt vraiment pas mal du tout même. Dites-moi si vous voulez que je continue des vidéos sur ce jeu-là, en sachant que c'est une de mes premières découvertes, parce que quand j'ai acheté BO3 et Rembo, je pensais pas faire des découvertes dessus. C'était, je me suis dit on va commencer directement. Alors là, on peut régler tous les freins et tout. Après ça c'est les professionnels qui touchent, nous on va laisser de base. Et on va tout de suite commencer la course. Voilà, et c'est parti hein. Désolé si je parle pas beaucoup. Alors en haut les flèches avec 5, c'est il faut passer à la 5e vitesse. Et les flèches vertes c'est si le virage est sec ou pas. C'est ma première partie, j'espère que tout va bien se passer. Parce que la première partie de la journée, parce que là je vais finir l'école. Et oui, j'ai quitté à 2,5. Et voilà. Alors c'est parti. Pour une 106, vraiment, elle avance pas mal du tout même. Sur les jeux de course comme ça, on va pas dire que je suis fort, mais on va dire que je me débrouille plutôt pas mal. Après voilà, je suis habitué. Alors là pour l'instant au milieu à gauche plutôt, vous avez une barre, la barre verte, c'est-à-dire que je suis premier dans la spéciale, bah, dans la partie de la spéciale, et que je suis premier pour l'instant. Je vais essayer de battre mon temps, j'ai fait 3 minutes et quelques, on va essayer de le battre. Et je vais vous montrer tout de suite après un truc en ligne droite. Voilà. Alors ça on peut choisir... pour avancer, par exemple, si on se crash et tout, et ça, je peux vous dire que c'est plutôt pas mal quand on se fail et tout. C'est des running, et là, j'en ai plus que 8, on en a 9 en tout, pardon. Et voilà. Hop là. Alors, vous voyez que l'intérieur est plutôt bien, bien fait. Le volant, quand on tourne et tout, c'est plutôt pas mal. Au début, je voulais m'acheter WRC5 qui sort le 1er avril sur PS4, sur PS3, PS Vita ainsi que sur PS3. Il est déjà sorti, mais sur PS4 il n'est pas encore sorti. Je pense sur Xbox One aussi, il n'est pas sorti. Parce que moi je suis sur PS4 et voilà. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. En plus, là vous avez le copilote à gauche avec la feuille. Allez, hop là, il dit les instructions. Et voilà, pour l'instant, on n'a pas trop d'erreurs.
J'avais, bah justement, il faut que je batte mon record personnel. Mais vous allez me dire que je vais le battre parce que je connais la map, mais pour tout vous dire, je me rappelle plus trop de la map parce que je suis pas forcément sur la map Italie. En plus, je fais des carrières donc c'est pas souvent les mêmes. Et dites-moi si vous voulez que je fasse des spéciales en carrière, comme ça je pourrais vous montrer ce que ressemble un peu la carrière sur ce jeu-là, pardon. Et voilà. Alors pour l'instant on est tout en vert, on est premier partout et ça c'est plutôt pas mal. Ouf. Voilà, là on est bien, là, vous voyez. On enchaîne bien les virages, on a une bonne trajectoire et ça fait plaisir. Par exemple, s'il y en a qui veulent jouer avec moi, parce que oui, ce jeu-là se joue aussi en multijoueur, dites-moi dans les commentaires, je vous aj je pense que bah oui, je vous ajouterai. Comme pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je peux me permettre d'ajouter les gens. Dites-moi, je vous ajouterai, comme ça on pourra faire des parties et faire des vidéos, pourquoi pas en multijoueur, parce qu'en multijoueur, c'est sur des terrains pareil que là. On est en même temps, sauf que les voitures sont transparentes pour pas se foncer dedans et c'est le premier arrivé qui gagne. Il y a aussi des contre-la-montre, il y a rallye. Voilà, c'est un peu plus pareil. Alors là, désolé, j'essaie de me concentrer parce que là, je suis un peu de la merde. Là, on reste quand même sur une voiture bas de gamme, entre guillemets, même si vous voyez bien que la voiture, elle tient la route. Et ça, j'aime bien quand les voitures tiennent la route. Parce que c'est pas forcément bien les voitures qui tiennent pas la route. C'est bien d'avoir de la puissance et aussi une bonne maniabilité sur la voiture. Alors, regardez, j'ai pas fait d'accident depuis le début. Je suis passé tranquille. Et ça, c'est plutôt été pas mal. Alors, on va s'arrêter là pour la vidéo découverte de Sébastien Loeb et Rallye Evo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous voulez des vidéos encore sur la carrière ainsi que des spéciales sur ce jeu-là. Je vous en ferai, vous inquiétez pas. À part si vous le voulez pas, mais voilà, après vous le dites en commentaire. Sinon, on va se quitter là-dessus. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis c'est tout. Allez, salut!